Bonjour tout le monde, on se retrouve une journée aujourd'hui, voilà, ça y est, je bégaye, ça commence bien. Pour une nouvelle vidéo, pour vous faire patienter de la vidéo de la quatrième page. Elle est faite, elle est presque finie de monter. Alors j'ai un souci, je sais pas si c'est mon logiciel, mon ordi RAM à fond. Et là, j'étais en train de faire la voix off dessus, et une fois que j'ai écouté, la voix off s'est mal enregistrée. Ça faisait comme si je parlais très, 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 très lentement. La musique également, donc je dois refaire. Voilà. Donc, comme elle est longue en plus, je pense que je vais vous la faire en deux parties. Parce que là, elle fait 1h45. Et ça va faire un peu beaucoup, je pense, pour le visionnage. Donc je vais vous la faire en deux parties, et ça va être plus simple. Je vais voir si je peux mettre la voix off dessus. Si j'y arrive pas, vous aurez comme d'habitude, de toute façon, les mesures, les plans de coupe, tout est dedans. Voilà, je sais pas ce qui se passe avec mon ordi. Pourtant, hier, j'ai acheté un nouvel antivirus, il a fait le nettoyage, il m'a trouvé plus d'une soixantaine de menaces, il a tout nettoyé. Et puis voilà. Bon, enfin, soit. J'espère enfin vous mettre la page 4. Bon, ce soir ça fera juste, puisque pour l'enregistrement ça me prend des heures. Je fais tout mon possible pour que vous l'ayez demain. Voilà. Alors je vais pour vous faire patienter, je vais vous la montrer cette page. Voilà. Donc là voici la page 4. Donc elle est toute simple. Hein. Voilà. On a comme ceci. Voilà. Et on a deux petits carnets. Voilà. Un qui s'ouvre comme cela. Un comme ceci. Et après, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc c'est des petits carnets où on pourra mettre. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, 7 ici, donc ça fait 14. Là, on pourra en mettre encore une et une derrière. 14, ça fera 15 ou 16. Là, on pourra en mettre une, donc ça fera 17, 16 ou 17 photos. Voilà. Là, si vous voulez en mettre, vous pourrez, mais bon. Voilà, donc là ce sera une page où on pourra ranger 17 photos. Voilà. Alors donc vous l'aurez déjà vu, ça vous fera patienter. Alors là j'ai pas mis les papiers déco là sur le carnet. Je réfléchis encore. Et vous c'est pareil, hein, vous voyez si vous voulez en mettre ou si vous voulez pas en mettre. Mais je trouve que là ça, je pense que ça va suffire. Mais c'est parce qu'on voit les charnières, donc c'est pour ça, bon, je réfléchis, on verra bien. Donc voyez, et puis là en bas on pourra encore mettre des petites choses, des petites tags. Donc voilà, vous avez déjà pour vous faire patienter ce que va être la quatrième page. Voilà, et j'espère vous mettre enfin ça demain, et j'attaquerai lundi la cinquième page. Voilà, donc bon, c'était pas le but de la vidéo, mais bon, j'en profite. En même temps, désolé, pas de lumière. Temps pourri, il fait de l'orage en ce moment. Et chez nous, c'est la braderie de l'île. Et là, il tombe des trombes d'eau. Déjà qu'avec malheureusement les histoires d'attentats, j'ai regardé à la télé, tout ça, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. À la braderie, mais alors là s'il pleut c'est fini, ils peuvent tous remballer, il n'y aura plus personne. Mais bon, moi j'ai pas voulu y aller à cause des attentats, j'avais peur, et puis voilà. Bon. Alors aujourd'hui, petite vidéo parce que j'ai reçu ma revue anglaise. Voilà, alors comme vous avez vu, bon, j'en commande moi en ce moment. Je répète pourquoi, c'est à cause du frais de port, hein, qui ont augmenté. Donc j'en prends moins. Excusez-moi, je fais du bruit, mais j'aurais bien collé le truc. Oh là. Voilà. Donc j'en achète moins.
Mais bon, ça. Et là, j'ai pris, ben, parce que ça va être bientôt les fêtes de fin d'année, hein. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, avec des papas Noël, tout ça. Donc ça me permet de commencer mes cartes pour Noël. Et comme d'habitude, il y a des jolis, jolis modèles. Donc voilà. Alors, je vous montre d'abord les cadeaux. Alors, peut-être enlever le plastique pour que ça me brille moins. Alors là, en plus, avec les petits Père Noël, je vais pouvoir faire de la colorisation, bien sûr. Et puis, je pense que ça va être... je vais pouvoir bien m'amuser. Oh là là, c'est pas possible aujourd'hui. Mais alors... Il n'y a rien qui va. En plus, il n'y a rien qui va. Ma voiture est en panne. Ce matin, c'est fini. Elle ne veut plus démarrer. J'ai que des... Oh. Bon, allez, hop. On va déchirer. Ça ira plus vite. Non, mais... Bah, ça sait faire, non? Voilà. Alors, voilà les petits tampons. Vous voyez, avec les petits parents Noël. Ici. La maison champignon. Voilà. Après, il y a des petits mots, hein, mais bon. With love at Christmas. Donc, avec amour à Noël. There is no place like a gnome. Donc, c'est. Gnome, ça doit être les lutins, les nains, les. Nord Pôle, bon donc pas le Nord bien sûr, voilà, je vous laisse lire, ça ira mieux. Et j'ai des dies, les dies, les voilà, donc c'est Papa Noël qui est en train de se barrer. Alors, voilà, Papa Noël. Et après il y a une petite lampe avec des petites mains. Là, et là, un petit cadeau. Voilà. Ce sont les trois dies qui sont avec. Donc ça, c'est pas... ça, c'est la pub. Et ben, je pensais qu'il y avait des papiers avec. Oh, je me suis trompée. Je croyais qu'il y avait des papiers. Oui. Moi non, il n'y a pas de papier, je me suis trompée. Alors, voilà. Je vais regarder, vous voyez, le genre de carte que l'on va pouvoir faire. Alors, où est-ce qu'ils ont mis les Papa Noël? Voilà. Et voilà. Voilà le genre de carte que l'on va pouvoir faire. Que ça va être très rigolo là. Donc bon, comme d'habitude il y a les pubs. Là il y a, regardez, ici, je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Là, des modèles de cartes un peu style steampunk. Voilà. Là, sur le thème de Noël aussi. Bon, il y a beaucoup plus bas. Voilà, ici les cartes un peu monocolores. Là, tout en bleu. Encore des Pères Noël. Voilà. Donc, j'ai les petites idées. On va voir ça. Quand même pas mal de choses sur Noël cette fois-ci. Alors ça c'est le Papercraft essentiel, voilà, et c'est le numéro 50, voilà, non 150, 50 ou 150, non 50, voilà.
Il y a 125 modèles, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours à peu près pareil. J'adore, c'est celui-là, ici. Allez, trop mignon. Comme Papa Noël. Là, regardez ici avec des fées. Ça donne vraiment plein, 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 plein d'idées. Donc voilà, je vous montre les tampons. Voilà, les dies. Donc voilà, je vais pouvoir bien m'amuser avec ça. Je vais essayer d'en faire ce week-end. Et puis, voilà, on va essayer. Bon, je suis encore fatiguée comme d'hab, mais bon, cette semaine j'ai passé une nuit blanche et une nuit où j'ai mal dormi. Voilà, mais bon, on s'y fait. Je vais me remettre au montage donc de la vidéo pour la quatrième page. J'espère que vous ne m'en voudrez pas hein, de ce retard. Et on se retrouve très très rapidement donc pour cette vidéo. Alors par contre malheureusement il n'y aura pas de vidéo action je pense cette semaine parce que si ma voiture reste en panne ben, je ne peux pas aller chez Action à moins que mon mari me prête sa voiture mais alors il faudra que je fasse fuir ça parce que lui travaille. Ah oui, et je voulais vous montrer ça. Alors attends, chez Action justement il y a toujours des DIY, donc souvent je les achète. Là il y en a un que j'ai pas encore mis et je les fais jamais. Il va falloir que je m'y mette. Alors, vous voyez, j'ai celui-là à faire, la trappe-rêve. Voilà, il y a tout le matériel dedans. Voilà, donc pas encore fait. Il y a celui-là, ils appellent ça comment? Créer votre propre œuvre d'art avec fil et épingle. donc voilà, c'est ça. Voilà, et ça donne ça quand c'est fini. Donc pareil, pas déballé, faut que je le fasse. Celui-ci, alors celui-là, j'avais regardé, voilà, mais il n'est pas déballé. C'était la petite étagère comme ça. Et donc idem à faire. Alors là il y a eu un semblant. J'ai commencé et puis je l'ai remballé. Je sais même pas si j'ai dit non, j'ai rien. Non, j'ai juste déballé. Voilà. Donc il faut que je le fasse aussi. Donc c'est pour mettre, vous voyez, il y a le petit carnet, voilà, pour faire la liste des courses par exemple. Voilà, et il y en a un autre ici, c'est des post-it. Voilà. Et donc ça, voilà ce que ça donne quand ce sera fini. Voilà. Le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que j'en ai un autre que je vous avais déjà montré, parce que je l'ai mis, je l'ai planqué. Ah, ici. Ah, il est là, oui. Voilà. Donc, celui-ci. Voilà. Le cœur en. Donc, c'est un cœur en polystyrène. Avec les tissus, il faut faire des bandes et puis des nœuds, hein, voilà, tout simplement. Donc, je dois le faire également. Et le dernier DIY que j'avais acheté, c'est celui-là. J'ai toujours pas fait non plus, t'as vu Coco, il est toujours emballé, il n'était pas encore fait. Donc voilà ce que ça va donner, celui-là. Donc, il faut que je fasse tout ça. Voilà, ça me... Et j'avais dit que j'en achèterais plus, mais bon, je crois que je n'ai pas acheté la dernière fois, non. Le cerf seulement. Mais donc, il faut que je m'amuse à faire tout ça. Comme le temps est pourri, de toute façon, du coup, ça donne du temps pour bricoler.
Et j'ai plein de projets, plein de projets, plein de projets, mais faudrait que ça arrête de bouillir dans la tête. Voilà, pour que je puisse tout faire. Ah ben si, il y en avait encore un, attendez. Alors, c'est vrai que j'en ai encore celui-là. Et celui-là, je vais le détourner. Voilà. Voyez, hop. Celui-là, je sais ce que je vais en faire. Parce que là, bon. Donc voilà. Allez, maintenant cette fois, c'est sûr, je vous laisse. Désolée, Fifi est pas là. Elle fait dodo. Elle m'a pas entendu faire la vidéo, donc elle m'a pas suivi pour une fois. Hier, c'était son anniversaire, Fifi. Donc elle a eu 3 ans. Voilà, ça devient une grande fille. Du coup, je devais aller chercher aujourd'hui son cadeau d'anniversaire, les jouets, tout ça. Et ben, c'est raté, mais bon, c'est rien. Elle sera partie remise dans la semaine, c'est pas un souci. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!